Salut à tous, c'est Trunkan et il fait chaud! On se retrouve donc dans Kutonoken 2 pour la suite de l'histoire. Et il y a Comstock qui va nous parler de Falco, j'imagine. D'accord, sympa. Bats-toi ou barre-toi. Donner sa jambe. C'est-à-dire que même si c'est un connard, de toute façon, il est obligé de l'obéir, c'est sympa. J'aime pas le fanatisme comme ça, c'est vraiment bizarre. Ah bah c'est sympa, des vieux en plus. Oh putain, c'est Kefka. C'est Kefka de FF6. Bâtard. T'as l'air d'être un gros bouffon surtout. Mais t'as vu que tu vas mourir toi bientôt. Si tu mets des coups de pénétrateur en bois. Et ben on va quand même prendre Kenshiro. Hein. Et puis on va prendre son costume, ce costume là. Voilà. Ce sont des fifous un peu. Hein. Si quand même un peu. Si. Chino. Bon alors toi tu vas mourir forcément. Alors il va falloir lui lancer dans la gueule. Bon, vous allez vous casser. Alors donc... Bon, ben je l'ai eu, manifestement. Ah mais je suis Kenshiro, wesh, quand même, hein?
Oui, de manière très 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 forte. Vous allez mourir. La, 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 la. La puissance du cuir. Ah, vous êtes becu quand même. Oh, j'avais pas vu, il y avait un coffre. Bam! Il y en a, ils hésitent. Qu'est-ce qu'on fait? On l'attaque ou pas? Vous auriez mieux fait d'hésiter plus longtemps en fait. Il y a encore un autre coffre là-bas. Avec des méchants. On est des méchants. Hop. Moi j'aime les coffres, j'aime les parchemins, il y a plein des trucs que j'aime pas. Ah au fait, fu. Je crois que vous avez mal pour le coup. Toi t'es tout seul dans ton coin, Rums. Wata. Mort en fait. Bon, voilà, on a... et Bat il se touche. Ça fait plaisir Bat, sincèrement. Ah, ils sont quand même 200 à la base. Allez, mettez-vous à portée là. Allez quoi. Restez à portée, voilà, comme ça. Wata! Et Tiro qui est tellement à la classe qu'il dit Wata sans ouvrir la bouche. Oh non, pas les arbres à l'autrier. Encore 60. Une baguette quoi. Moi je voulais une bouteille de lait. Pour apprendre comment on fait les bébés. Allez, viendez, viendez. Fui. Toi je t'ai vu hein, bien sûr, évidemment. Ah, hop. Ah, la méthode Gilowell. C'est totalement gratuit. Et inutile. Il en reste 20, j'imagine qu'ils vont tomber de l'autre côté encore. Ou au milieu peut-être, ce serait cool au milieu. De côté. Bonjour, au revoir. Voilà, il n'en reste plus que 8. Plus 4, plus 3, plus que 1. Rums, voilà. Oh my god, moi je suis né où? Cocotte. Ouais.
Damned. Des portes électrifiées. Ah ouais, il suffit de taper quand ils sont pas électrifiés. La magie du courant alternatif. Non, je m'en fous, je vais ouvrir le coffre. Fuck. Oh oui, la tenaille. Moi j'aime que cette tenaille. Ok, Bat. Bonne bourre, mais les renforts sont derrière la porte. Tant pis. Après tout, il est grand maintenant, il sait ce qu'il fait. Un char. Ok. Ok. Admettons. C'est tout? Je n'ai rien du tout apparemment. Moi je casse des chars à main nue, je suis Kenshiro. Tu peux pas tester. Par ce mouvement de garde. Hop là. Bonjour! Ah comme ça on est méchant et pas beau? Non, des Freeleds. Ouais, pour changer. Oh, cette magnifique croix de guerre. Parce que ce symbole, avant d'être la croix de fer nazie, c'était la croix de guerre de l'armée allemande. Hein, c'est pas forcément un symbole nazi à la base. Faut arrêter les raccourcis. D'ailleurs, la croix gammée n'est pas un symbole nazi non plus à la base. C'est un symbole païen, donc c'est religieux. Enfin bon. Ah, je crois que t'as un cimetière qui est tombé amoureux de toi. Mais t'es un grand malade, mais tu vas finir par te faire tuer. C'est peut-être pas faux. C'est Rao quoi. Oh, t'es qu'une pute. Ouais, donc t'es vraiment une grosse pute quoi. Tu racontes ça à un gamin? Oh putain, t'es un malade.
このファルコが倒れれば、ジャコは天帝を殺し、すべてを天帝の席として逃げ出すだろう。すべての発端がこのファルコならば。C'est pas faux, moi, je trouve ça c'est assez logique. Pétasse. Et là, ça sent le combat, enfin, j'espère. Oh oui. Ah non, en fait, on dirait plutôt Dolph Lundgren. Je pense que c'est plutôt à ça que je pensais d'ailleurs. Dommage. Alors Dolph Lundgren, il joue notamment Ivan Drago dans Rocky 3. C'est lui qui tue Apollo Creed. Ah non, Trunks, t'as spoilé le premier quart du film. Mon dieu. Ah, parlez, c'est de l'augmenter du couteau! Chine des rues, presque. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte! Quoi? T'es une grande malade? Il faut arrêter les antidépresseurs. Ça pue, tu vas tomber dans un piège à tous les coups. Ouais, séparez-vous, c'est une bonne idée. Ah là là. Il frappait pas la bonasse. Ça se fait pas. Dommage. Salut. Ça suffit comme réponse. Mets ta gueule, Kefka, tu sers à rien. Ah non ! Il a pété le nez. Oh les femmes. Complique tout. Alerte, psychopathe de niveau 6. Là, j'espère qu'il y a des fleurs. Ah, il y avait des fleurs, apparemment. Rui. Alors, c'est pas vraiment un empereur. Oh, comme ma bite. Je suis désolé.
Je vais te frapper tellement fort que chaque particule de ton corps fera un saut temporel. Allez, viens, blondasse! Ah, une ouverture. Et il a quand même gardé ses putains de lunettes de soleil. J'adore. Bah, tu fais moins le malin. Tiens, un massage thaïlandais! Ah merde. Mais quel rapport? Au Paris? Ah, raté! Ouais, bon, d'accord. Là, c'est à bout portant, forcément. C'est plus compliqué. Ah, c'est Guile en fait. Tiens. Nameo. Rends-nous les clés de Takrio. Tout de suite. Les deux impératrices célestes, que va? C'est un piège. Oh, un piège. Ah là là. Les gosses. Heureux. Ça va, il y avait des fleurs. C'est marrant comme elle te ressemble pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais c'est les étoiles jumelles de quelle constellation? Parce que je sais qu'il y a une étoile jumelle sur la constellation de la Grande Ourse. C'est Mizar et Doub, enfin Doubé, enfin, je sais pas. Comme dans Star Wars. Et moi, non, bah, moi ça va, je suis une impératrice, écoute. Tout le monde me kiffe, tout ça. Elle est aveugle. Et bim! Mais vous allez peut-être mourir. Désolé. Ah. Ni. Oh, s'il est derrière toi, je rigole. Je rigole. Okay.
C'est trop tard, cours. Elle voulait lui faire un bandage. Digueté. Il va faire un Shoryuken de malade. Shinryuken carrément. Allons-y. Ah ça c'est un peu de la triche du coup. Raté, lol. Allez doucement la Sonic Hurricane. Bam. Ça passe. Shoryuken, ça passe. C'était limite, mais ça passe. Et du coup, là, je peux te faire les fesses. Attends. Ça passe rien du tout, c'est génial. Eh oui. Bah oui, sinon le manga il serait fini depuis longtemps. Ah, en fait, j'étais à 20% des capacités. Kono ganban o buchinite tsukase o fukitasase. Omae ra o daishitsu saseru. Sonna dougu mo nai no ni dou yatte? Mes points. Alors autant le Resident Evil 5 c'est ridicule, autant là c'est cool. Je rappelle que dans Resident Evil 5, Chris Redfield met un coup de poing dans un rocher. Un putain de rocher, qui doit faire au moins 3 tonnes. Ah, je crois que t'es mort. Oh, classe! J'ai mon chat qui pionce sur le lit, c'est trop mignon. Oh oui, c'était bien la peine de dire que t'étais assez fort pour les tuer. Ah
Bah oui, quand même. Hein. お前が<笑> Encore un mort. Et du coup, sa fille est orpheline, c'est sympa. Les larmes du guerrier! Tu essaies de se barrer en catimini, quoi. Ouais, c'est une grosse flèche. Toi, tu vas pas apprécier, je pense. Ça m'étonnerait. Je crois qu'il va avoir très mal. ありがとうございます。はい。見えるか。お前が死をかけて望んだ光景だ。確かに告げよう。お前の最後、愛娘、アスカに。そして語り続けよう。お前の生き様を。そして、リン。リン。きっとまだ地底に残された奴らを助けに行ったに違いない。 Putain, c'est pas Joséphine Ange Gardien, quoi. J'adore les enfants. Dommage. Merci, Sangohan. Oh, ça c'est vrai.
Ouais, une paire de loches, Mamiya, ça devient juste abusé, quoi. Non, c'est pas bien. これパパの。きっと喜ぶと思うから。はい。約束しよう。 Je reviens pas que ce soit le même doubleur que Nicky Larson. Enfin que Ryo Saeba. Bref, c'était un plaisir de vous distribuer cet épisode, de jouer pour vous. Hein, c'est un peu ça le principe. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite du manga, hein, pour le coup, parce que c'est un manga. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez du bon temps, profitez du beau temps également. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Allez, salut à tous, bye!